Christ, mais c'est tout simplement la grâce du Seigneur. S'il y amène, dit amen. Belle maison que vous achetez, belle voiture que vous gagnez, petit monde que vous gagnez, famille que vous gagnez, tout bagay sa yo, venez de bon Dieu, frères et sœurs. C'est pour nous bénir nos bon Dieu, remercier mon Dieu pour ça et reconnaître que tout ça que nous possédons, venez de bon Dieu, béni soit l'Éternel. Oui, tout ça nous gagnez, venez de bon Dieu, frères et sœurs. Si il y a plusieurs psaumes que David écrit dans le livre des psaumes dans le sautier, mais il y a un psaume yoto qui était rédigé par Asaph, il y a un psaume tout qui était écrit par les fils de Corée, et il y a un psaume tout, c'est Moïse qui écrit, et j'en passe. Alors, revenons à notre mouton. Le psaume 63, il est clairement indiqué dans l'introduction que David est l'auteur de ce psaume. Il y a plusieurs commentateurs qui croient que David a rédigé ce psaume, tandis qu'il était trouvé dans le désert et que Saül t'a poursuivi avant même que David ait siégé au trône d'Israël. Mais il y a l'autre qui pensait qu'il était écrit comme ça lorsque son propre fils, Absalom, t'a poursuivi. Hein? Mais grande majorité des commentateurs ont retenu première hypothèse là. Ils ont préféré que quoique David ait écrit psaume 63 lorsque Saül t'a poursuivi dans le désert, Saül avec soldalio. Jean Chrysostome, un des piliers de l'église chrétienne au 4e siècle, lui dit donc que parmi les chrétiens de l'église primitive, il n'y a pas de jamais suspendu un jour chanter cantique ça. C'est chaque jour qu'il tape lire le psaume 63, frères et sœurs. C'est chaque jour qu'il tape lire psaume ça. Et les premiers mots du psaume, ils peuvent paraître insignifiants pour plusieurs. Mais pourtant, premier mot qui est dans psaume 63, très significatif, frères et sœurs. Yo dit nous en pile bagaille, premier mot que nous joignons dans psaume 63, où il est dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Vraiment, à une époque où les Cananéens, les païens, ils ont adoré toute une panoplie de divinités, ils ont sacrifié même propre petit à des dieux païens. Le moment compte que chaque nation émettait ses propres dieux pâles. David, il est content, il est heureux, puis il est capable de proclamer que Elohim est son Dieu. Si Amen, dit Amen. Elohim est son Dieu. Frère Maximio, amis auditeurs, auditrices, nous posons la question à Soya, qui est-ce qui est bon Dieu? Qui est-ce qui est bon Dieu à Soya? Et pas oublier que, comme je viens de le dire, David se trouvait dans le désert de Juda. David était en situation difficile, frères et sœurs. Il a posé question à soyant. Est-ce que vous connaissez bon Dieu là? Pour un pile monde, son crucifix, c'est une statue de Jésus sous une croix. Pour un pile monde, c'est Marie qui bon Dieu yo. Pour un pile monde, c'est Saint-Jacques qui bon Dieu yo. Pour un pile l'autre, c'est Saint-Jean-Baptiste qui bon Dieu yo. Pour quelque monde, peut-être, c'est l'argent qui bon Dieu yo. C'est honneur qui bon Dieu yo. Et vous-même, qui est-ce qui bon Dieu à soya? David, lui-même, il n'est pas décrit, puis il est capable de dire que, oh Dieu, tu es mon Dieu. Il a dit, l'Éternel, Elohim, c'est vous-même qui bon Dieu moi. Et il dit aussi au psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Frère Maxime,
Dans quel que soit le moment difficile que nous sommes capables de trouver, nous, quel que soit épreuve, calamité, nous ne devons pas oublier que l'Éternel est notre Dieu. La simplicité, l'emphase que David te mettait sous déclaration, ça vient du fait que David avait une relation profonde avec Dieu, une relation qui rappelait alliance que bon Dieu t'avait fait avec les frères et sœurs. Par le fait que bon Dieu t'avait fait alliance avec lui, bon Dieu t'a choisi, il a mis de l'huile sous tête lui, et fait de David, roi d'Israël, et bien ça t'a fait une force, une croyance, qui fait que quoi que bon Dieu n'a pas besoin d'abandonner. L'Éternel, c'est mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je suis maintenant dans le désert, mais l'Éternel avait une alliance avec moi. Il t'a mis de l'huile sur tête moi par le prophète Samuel. Mais il m'a établi chef de son peuple. Bien que je suis dans le désert, m'a peur rien, m'a crainte rien, parce que Dieu est mon Dieu. Malgré COVID-19 a fait des gars, mon ap malade, mon ap mouri, mon pas gapé et pile, mon en difficulté, mais moi-même pas peur, pas troublé, pas bouleversé, parce que Dieu est mon Dieu. J'ai soif, j'ai faim, je suis persécuté par Saül, poursuivi, je suis malade, mais je ne mourrai pas parce que Dieu est mon Dieu. Est-ce que vous avez assurance en soyant que l'Éternel est votre Dieu? Est-ce qu'on croit ça également? Est-ce qu'on croit que bon Dieu, c'est bon Dieu? Je parlais avec mon soeur. Dans ce maintenant, il dit, pasteur, je pas dormi, non? Depuis le pays a rentré dans la crise, ça me couche, je pas dormi. Mais l'hôpital, yo ban médicaments pour insomnie, m'dormi un soir et puis après ça me pas dormi vraiment. M'dit ma sœur, problème qu'on gagne pilule, quelque soit si on était cap baou, pas capable résoudre problème ça qu'on gagne parce que ou stressé par situation, pays à plonger la dans journée aujourd'hui, remets tout c'est la foi, mettez confiance ou, non papa bon Dieu, appuyons sur le Seigneur, qu'a fait route pour, qu'a fait semer pour, comprenez que l'Éternel, c'est berger, l'Éternel, c'est secours, c'est soutien, ou. Amen. Zami a troublé, il bouleversé. Il bouleversé. Parce que, tout simplement, là, dis-moi comment que un pile moun yo fil pour unemployment, mais yo pa répond yo. Et dis-moi quand pile moun qui fil, il dit pas son combien qu'on peut yo? $200. Il dit qui son café avec $200. Frères et sœurs, maintenant qui situation les États-Unis trouvent, nous les audions, mais moi-même avec eux, nous pas troublés, nous pas bouleversés, parce que même gens avec David, nous capables de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Anglais a dit, early will I seek you. Bien bonheur, ma science au Seigneur, la Bible a noté dit, je te science au point du jour. Frère Max Samuel, c'est pour nous science, bon Dieu, dès le matin, parce que ce qui remplit le cœur dès l'aurore occupe cette place toute la journée. L'on levé matin, ou prend temps pour étudier la Bible, ou prend temps pour faire culte, pour capable étudier le son de l'école du sabbat. Parole d'encouragement, parole de foi qui dit dans la Bible, il a prêté dans l'esprit pendant toute journée. Ou pas troublé, ou pas bouleversé, et à souhait, les wal coucher, ou a dormi sans problème, parce que ou bien froid dans bon Dieu, frères et sœurs. Et le psalmiste le poursuivre en disant, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. De qui laisse David dire n'ont ni soif de bon, de bon Dieu. Frère Maxime, il y a un pile dans nous qui n'est pas capable de discerner qui ça n'a pas besoin.
nous soif, nous pas compte de qui ça nous soif, nous grand goût, mais nous pas connait nature, grand goût noir et n'a cherché ailleurs la satisfaction de notre soif. Et ça fait que soif noir, li pas capable apaiser. M'ta pose une question à soyan, est-ce que ou quoi qu'on besoin mari? Est-ce qu'on pense que son madame qu'on besoin ou sûr c'est un petit monde qu'on besoin ou assure que son job ou besoin, son maison, son voiture? En réalité, m'bindou aswaya, auditeur, auditrice, kap koute m sou lumière du jour, auditeur, kap koute m sou WhatsApp, sa kap koute m sou YouTube, sa kap koute m sou Facebook, sou quel que soit réseau social là, m'vle di nou aswaya, si nan mou soif, sou gen de l'eau nan zye, sou grand goût, m'vle di aswaya, ou soif de la parole de Dieu. David te dit, mon âme a soif de toi, oh Dieu. David se trouvait dans un désert, quand il n'y a pas de manger, pas de l'eau, pas de maison pour l'habiter. Ils comprennent que ce n'est pas manger des besoins, ce n'est pas de l'eau des besoins, c'est pour maison des besoins, ce n'est pas pour voir que des besoins, mais ils comprennent que l'homme n'a pas soif de l'éternel des armées. En soyant ou soif de Jésus, ou besoin de présence, mon Dieu. La présence de Jésus, c'est toute bagaille pour vous. La présence de Jésus, c'est réconfort qu'on a besoin. La présence de Jésus, c'est grâce qu'on a besoin. En soyant, David se trouvait dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et pourtant, qui ça dit? Il dit, ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ça, belle, frères et sœurs. David venait dans un désert, côté pas de l'eau, pas de manger, pas de temple, mais il dit, je te contemple dans le sanctuaire. Dans le désert, côté que y a, oui, il part dans l'église, non? Hein? On dirait que l'église était fermée pour lui, même dans l'église fermée, pour moi-même avec vous, ou les autres, mais pourtant, il dit, je te contemple dans le sanctuaire. Il est intéressant de noter qu'il n'y avait pas de désert dans le cœur de David. En dépit du fait que David se trouvait dans un désert, mais le cœur de David ne se trouvait pas dans un désert. Que David était rempli de la présence de Dieu. David est entouré de la grâce de Dieu. Et qui fait qu'en dépit du fait qu'il se trouvait dans un désert, mais il était senti en paix. Il a gagné le repos parce que Jésus était avec les frères et sœurs. Êtes-vous dans un désert? Est-ce que vous êtes dans un désert assoyant parce que vous êtes en chômage, parce que vous avez maladie, parce qu'il y a confinement, parce qu'on perd du monde qui proche à vous-même? Je voulais dire que, et mes cœurs, pas de dans le désert pour autant, parce que David dit au verset 3, du psaume 63, ainsi, je te contemple dans le sanctuaire, malgré que je joigne mes dans un désert, mais m'a contemplé au Seigneur, par la foi, dans le sanctuaire là. Frère Maxime, pinga nous dit, ma prière, c'est bon Dieu, l'aime soutenant confinement. Ma prière, c'est bon Dieu. Comme j'ai travail, m'a servi bon Dieu, m'a baptisé. Bingo, m'a promettre comme à bon Dieu, une fois que tout bagay allait bien, même v'lait dire, assoya. Pendant qu'on en lutte, ou en bataille, ou en chômage, des maladies, des épreuves, remettre tout dans mes bon Dieu. David n'était pas dans le tabernacle. Il ne se trouvait pas dans le sanctuaire. Et pourtant, il t'a chanté en cantique. Il était encore dans le désert de Juda. Mais pourtant, il connaît du moins que le sanctuaire de Dieu n'est pas uniquement associé à une place. Sanctuaire bon Dieu, hein. Il n'est pas associé à un building quelconque, frères et sœurs. Il n'est pas associé à un lieu géographique où il doit nous prison, mais pour ton trouver dans le sanctuaire de Dieu, où il doit nous désert à l'instar de David, où il doit dans le sanctuaire de Dieu, où il doit la caillou, mais pour ton trouver dans le sanctuaire de Dieu. Parce que sanctuaire, là, c'est aussi un concept spirituel. Côté qu'on est capable d'entrer là-dedans, par la foi, peu importe côté qu'on vient, et nous entrer dans le sanctuaire, ça va nous permettre que, on connecte avec mon Dieu,
ou connecté à puissance, mon Dieu, ou connecté à gloire, mon Dieu, ou connecté à force, mon Dieu, ou connecté à puissance, mon Dieu, ou connecté avec bénédiction, mon Dieu, et pas gagné qui vaut peur, pas gagné qui trouble, ou parce que ou connecté avec la grâce de Dieu. Nous, dans la misère des fois, c'est parce que nous avons peu de soif des choses éternelles, des choses sublimes, mais nous plus soif des choses de ce monde. Et David le dit au verset 12, « Et le roi se réjouira en Dieu. » Amen, frères et sœurs. David nous désire, oui, bagayon difficile pour lui, Saül a poursuivi lui avec soldats, avec armélio, mais qu'il foi dans mon Dieu. Et le roi se réjouira en Dieu. David, pour qu'on s'y sous trois, non, il n'a bataille toujours, ça il a bataille avec lui, mais il a confiance, puisque la promesse de Dieu, moi-même avec vous, nous attendons l'accomplissement de la promesse de Dieu. Jésus nous avait la promesse, que votre cœur ne se trouble près de ça, la me point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, avec là où je suis. Vous y soyez aussi. S'il y a amen, dit amen. Frères et sœurs, voici la promesse de Dieu. Et ces promesses à mon Dieu fait nous, qui ne nous pas faillir, nous pas faiblir, nous pas décourager. Nous croyons que un jour, Napsita en présence de Dieu, presque nous voyait, roi que nous voyait, nous va réjouir en bon Dieu. Amen. David t'attend par la foi la promesse de Dieu. Et il est à cause de tête comme étant roi et t'a réjoui en Dieu, frères et sœurs. La promesse de Dieu est certaine et véritable. En dépit de notre situation, malgré l'état actuel du monde, il y a un monde en décomposition, pas de travail, de chômage, même c'est maladie, c'est la mort, même les trois soyez. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus a retourné et nous régnerons avec lui. La bouche des menteurs sera fermée. Le jugement de Dieu va s'abattre sur les ennemis du peuple de Dieu. Bien conscient de relation avec bon Dieu, relation personnelle avec bon Dieu, pour capable de dire même avec David, « Oh Dieu, tu es mon Dieu. » Yes, dans le moment où que COVID-19 a fait des gars, mon a mouru, hein, mon malade, mon troublé, mais même c'est pour dire, oh Dieu, tu es mon Dieu. Ma plaisir dit en France, frères et sœurs, une jeune fille de 23 ans, mais son mon handicap est que lui est malheureusement malade mental, mais il a tellement peur, ou qu'on est, il aurait été conseillé mourir là, Kaili. Parce qu'il a peur, il a peur. Il pas sorti pour aller chercher manger, il pas prendre contact avec moun, il tellement peur, il rete la caille. Grand Goutier là sur place, hein, quand il t'en gâté et lorsque voisin a regardé yo partant de mouvement la caille là, il habite avec maman tout gagne environ 60 ans, maman tout son moun malade que yé, yo pas prendre contact avec moun, yo tout rete dans caille là et puis jeune fille, li même qui plus en a 23 ans, oui, li mouri. Tout simplement parce qu'il peur de COVID-19. Il ne pas prendre contact avec moun et puis li mouri la kaili. Il mouri la kaili. Frère Max, auditeur, auditrice, moi même avec vous, qui capable de dire, oh Dieu, tu es mon Dieu. Et mais nous pas capable crainte. Nous n'avons que besoin de prier pour précaution nécessaire. Et puis ça vous nous fait à nouvelle. Et bon Dieu a fait le reste. Et cultiver communion nous avec bon Dieu. Ça veut dire chaque matin, depuis nous lever, chercher bon Dieu, chercher la face du Seigneur, chercher la présence de Dieu. Et bon Dieu, gagne grâce pour nous. Bon Dieu, gagne bénédiction pour nous. Bon Dieu, gagne secours pour nous. Même lorsque nous n'ayons désert, même lorsque le monde bouleversé, même lorsque le monde corrompu, même lorsque le monde pas qui manger, le monde dans un désert, mais que nous pas dans un désert, nous capables d'adorer bon Dieu, nous capables de glorifier bon Dieu, et nous obtenons en silence le secours de l'Éternel. Eyes are on you, oh Lord, and we're waiting for you. N'a pas de grâce, n'a pas de secours, n'a pas de bénédiction, et t'en mets en sous nous. Bon Dieu, bon bénédiction pour nous, à soi.
Bon Dieu, une bénédiction pour nous. En bain, nous allons chanter. Nous allons chanter. Et nous invitons ou même qui peut comprendre la décision pour baptiser, pour faire ça avant qu'il soit trop tard. Les serviteurs, bon Dieu, hein. Mettez-nous dans le baptême. Prenez décision pour mettre cœur à Jésus, à Soya, avant qu'il soit trop tard. Demain est capable trop tard, mais fait décision à Soya même, pendant que nous pouvons prier là, pour que quelque soit sacrifié. Même si vous êtes baptisé, moi connais que vous devez pas se réunir prier pour vous. Et bien, nous qui dans le ciel là, nous pouvons faire une prière spéciale pour Assoya. On prie pour les gens qui sont malades, on prie pour les gens qui sont dans le désert, on prie pour les gens qui ont de l'eau dans les yeux, on prie pour les gens qui ont employment n'a pas seulement $200 qui pas capable de régler rien. Ça n'est pas capable de régler rien. Mais Jésus, c'est toute bagaille pour nous. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Au fait de moi, ce que tu veux. Nous avons besoin d'abandonner nos âmes, bon Dieu. Fais, bon Dieu, confiance. Gain la foi dans bon Dieu. Dis même avec David, oh Dieu, tu es mon Dieu. Fais même avec chrétien, yo, au premier siècle. Chaque matin, récitez psaume 63, non. Récitez psaume 63 et fais du parole ça, yo, votre. Et pour que Jésus est capable de mûrir dans le cœur. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Et le, nous allons finir de chanter trois strophes sérieux. Nous allons mettre à genoux et nous allons prier spécial que nous allons faire pour vous. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux. L'argile que je te donne, fais un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. Tu connais ma grande faiblesse, mon impuissance à te servir. S'il le faut que ta main me blesse, ton amour saura me guérir. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel, je viens m'offrir. Oh, ne m'épargne ni la flamme, ni le ciseau divers sculpteur, que ton esprit forme mon âme à l'image de son Sauveur, y prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je veux obéir par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel, je viens. Oh.
m'offrir. Amen. Nous pouvons mettre nos genoux et vous-même, auditeurs, auditrices, ça qui est en Haïti, ça qui est ici aux États-Unis, en quelques lieux que nous trouvons, à nous prosterner devant le Seigneur. Grand Dieu de l'univers, nous rendons hommage à ta droite toute puissante. Nous rendons gloire à toi, Père Saint, qui nous a permis de traverser cette journée en bien. Merci pour cette semaine d'emphase spirituelle. Merci parce que tu es avec nous depuis le début de ces 21 jours. Merci Seigneur parce que depuis sabbat dernier, nous commençons à parler dans nous. Et jusqu'à cette présente minute où tu es avec nous, où tu mettais parole au soulèvement, où tu éclairé nous par lumière parole, et pour nous être capables de partager parole avec nos amis qui sont sur Facebook, ça qui sont sur Lumière du Jour, ça qui sont sur YouTube, partout côté qui a écouté nous, en Haïti, ça qui en Floride, ça qui New York, ça qui New Jersey, ça qui Georgia, en quelques lieux côté petit, ils ont trouvé, ils ont été ensemble avec nous pour participer dans la rencontre à Soya. Nous disons merci Seigneur pour le message de ta parole. Merci pour l'espoir qu'on donne nous, tandis que nous te trouvons nous dans le désert de la vie, tandis que Seigneur, il y a des gens qui sont chômage, des gens qui sont malades, des gens qui perdent leur famille, des gens qui sont secoués par la tribulation, ça, qui a frappé le monde. Mais nous-mêmes, nous disons, béni soit l'Éternel, parce que God is my God. The Lord is my Lord. Amen. Seigneur, non, c'est Seigneur, pas que lié. Bon Dieu, c'est bon Dieu, pas moi. Et m'a gagné pour m'peur. M'a gagné pour m'crête. M'a capable de dire avec David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même lorsque il y a un grand coup de Yahwa, même lorsque il y a une souffrance, mais le Seigneur prend soin de moi, il prendra soin de moi, même lorsque il y a une épreuve, il y a une difficulté, mais bon Dieu te fait alliance avec moi par le baptême, et il y a une garantie, une assurance que un jour, ma proie Seigneur mon Jésus, ma siéger avec lui sur le trône, ma vivre avec lui pour toujours et pour l'éternité, ô Seigneur et Éternel, que mes on capable sous petit tout yo dans moment ça, que mes on capable sous ça qui l'hôpital dans moment ça, sous amis nous qui sous lumière du jour, qu'on capable guérir chaque malade yo, gen moun qui plus malade dans pensée yo, au lieu ta malade dans corps yo, gen moun Seigneur qui troublé, gen moun qui gen de l'eau dans yeux yo. Essuyez l'âme dans les yeux, ça qui a cancer, ça qui a fribom, ça qui n'a pas de travail, ça qui n'a pas de manque de Dieu, ça qui n'a pas de rente, ça qui n'a pas de billion, intervient en leur faveur, ô notre Dieu, notre Père, que mais on capable sur yot pour leur faire du bien et non du mal. Sanctifiez la venant, transformez-nous, ô Dieu, par la puissance de ta grâce, et si jamais, t'as gagné un nanon qui t'a dû faire voyage là pour y reposer, qu'il n'a pas parlé avec j'aime de la résurrection, avec assurance que Jésus revient bientôt et Mounsa Kaï Domia, lorsque trompette là va sonner, oh non, première son trompette là, Mounsa va réveiller tout le monde qui est croyant, il va ressusciter pour y vivre avec eux pour toujours et pour l'éternité. Merci Seigneur. Parce qu'à partir de Assoya, nous avons régné avec vous en tant que prince. Nous siégeons avec vous sur ton trône. Pas gagner qu'à faire nos peurs. Pas gagner qui vont troubler nous. Parce que Jésus est notre Dieu. Il est notre sauveur. Il est notre roi. Il ne nous abandonne jamais. Béni ancien attendu nos ciliers. Béni madame Niak petite les seigneurs. Béni monde qui secrétaire lumière du jour. Béni trésorier groupe là. Béni chaque qui ont responsabilité dans la lumière du jour. Béni chaque même groupe là. Béni chaque auditeur qui souligne. Béni monde qui dans classe baptismale. Qui a préparé pour grande cérémonie ça. Tous ces monde qui vont
bay non yo aso yam su ki yo pran décision ça et yo pou capable kembe décision ça jusqu'à la fin maintenant mes petits ou yo pou capable supporter lumière du jour et pour que ministère ça capable étendre cordage li pour ministère ça capable atteindre tous les coins et recoins du monde et que l'évangile capable prêcher utiliser nous comme des instruments de paix, des instruments de guérison, des instruments d'amour, des instruments de bénédiction pour tout côté que nous passer. Béni Kerit, béni Hope Ministry, béni l'église Béré, béni pasteur Laurent et sa famille, béni la vie pour nous. Permette-nous de passer un bon sabbat sous ton regard divin. Remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta puissance, même lorsque nous vivons dans le désert de ce monde. Côté COVID-19 a fait dégâts, mais Seigneur, que nous pas dans le désert parce que nous habitons en Jésus, nous demeurons en Jésus, Jésus couvre-nous, en Jésus nous avons la paix, en Jésus nous avons la guérison, en Jésus nous avons la vie, en Jésus nous avons la délivrance et nous avons une délivrance sans limite. On nous dit béni soit l'Éternel, on nous dit gloire à Jésus, on nous dit merci Seigneur, on nous dit victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Accordez-nous grâce au papa. Accordez-nous bénédiction. Accordez-nous paix. Accordez-nous salut. Que nous nous été gravés dans les registres du ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lui qui fait demeurer des avant tous les temps. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Merci, merci, Alléluia. Merci, lumière du jour. Merci à Madame Noteline qui te mette nous sur YouTube que, et sur Facebook également. Que bon Dieu bénisse nous, les amis auditeurs, auditrices. Bon sabbat, bonne nuit dans le Seigneur. Amen. 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 Est-ce que ma frère, je ne pas faire, bon Dieu, et puis tant de soir la bénir pour justice. Tout le monde qui t'a béni dit Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Oh, tout le monde est soumis. Mais messieurs.